Eh bien, bonsoir les gens, c'est Willy. On se retrouve pour l'épisode 13, je crois, de Pokémon Ultra Soleil. Dans le dernier épisode, on avait remonté un petit peu toute la route numéro 8, pour se rapprocher de la jungle sombre feuille. On va y aller tranquillement pour aller voir Barbara et le défi qu'elle va nous proposer. On avait attrapé un Tritox femelle, mais on ne l'a pas gardé, on l'a mis dans la boîte PC. Parce que Osley fera office de Pokémon Feu dans l'équipe. Du moins pendant un bon moment de l'aventure. Et là, on va avancer. Parce que bon, c'est bien de parler. Mais je pense que j'ai fait le tour. Oh, je le veux. Attendez. Parce que là, il y avait un Pokémon qui me plaisait. En vrai, sauf Kipou, j'ai pas envie de vous le dire, mais je veux dans mon équipe. Parce que Sarmurai, il est trop stylé. Donc si on pouvait... Non. Si on pouvait me dire comment faire pour en avoir un, je veux bien. Voilà. Vous serez très gentil et je vous aimerai d'amour. Rendre un bâtiment et ressort. Ok. Faut que je m'approche discrètement ou faut que je fasse quelque chose de précis pour l'avoir? Prends le taureau pour lui foncer dessus. C'est bien reçu. Nickel, j'espère que c'est un mâle. Ouah, c'est quoi ce Pokémon? Jamais vu. Bon, et maintenant ça va être compliqué parce qu'il faut pas que je le mette en dessous de la moitié de sa vie. Sinon il s'enfuit. Donc on va essayer d'y aller pas trop fort. Et voilà. C'est ce que je craignais. On va recommencer avec, je pense, Evoli ou Osley. Osley, il a quoi Evoli déjà comme attaque? Vive attaque, ça devrait se faire. Ou sinon, ouais, masse dose peut-être. Essaye de le capturer instant. Bah écoute, je vais tester ça. Allez, on recommence. Oh! Mais y'en a pas. Bon bah c'est bon, hein, vous m'avez perdu. Je vais passer 10 minutes à l'avoir ici. Ah non, il n'y en a plus, vraiment! Ah non, me dites pas ça, ça va me dégoûter. Mais sinon, tu peux avoir sauf Kipou dans le tunnel. Dans le tunnel où j'étais tout à l'heure. Là-bas? Les gens, vous me donnez de l'espoir là. Dans ce tunnel là? Oh! Alors c'est pas ce que je voulais mais ouais. Enlève le taureau. T'as juste à marcher, il vient vers toi. Là, je marche. Il est quelque lion là. Vas-y, je vais revenir dans la route de tout à l'heure. Je dois faire quoi? Je dois juste rester comme ça, marcher ou je dois attendre sans bouger? Pour rien. Je suis perdu. Je dois attendre quelques minutes. Bientôt quelques minutes là. Je lis le chat. Attention, Willy lit le chat. Eh ben oui. Mais là, le chat me raconte des carabistouilles parce que là, je ne vois aucun sauf Kipou. C'est triste, l'évolution est bien stylée. Ben oui! C'est pour ça que je le veux, moi. Il a un flow monstrueux, sauf Kipou. Ah, je suis désolé, les gens. Hein, je pouvais pas rêver, là, en me baladant dans un tunnel comme un con. Mais...
Il le mérite, c'est un beau Pokémon. Ouais, il y a marqué sur Poképédia, mais ils sont très vagues. C'est ça le problème avec Poképédia, c'est qu'ils ont du mal à être précis. Ils te disent juste, il est là. T'en bah ouais, mais où? Où exactement? Quel pourcentage? Il y en a un! Mais il est dégueulasse, il court comme un cafard. Ça dégoûte un peu. Mais est-ce que c'est un mâle? Moi je veux un mâle, hein. C'est un mâle. Alors on va tenter la Pokéball direct. Mais viens toi! Non. J'aurais tenté une vive attaque, mais j'ai peur. Quarante, et ça c'est 60. Ah. Mais mon Evoli, il est plus fort en spécial ou en physique? Je suis nul en spé. Donc je vais peut-être attaquer en spé. Allez, on tente. C'est bon. Allez, maintenant, Pokéball. Oh non, j'y ai cru. Et non, je le mets de life path, vous inquiétez pas, je gère. Plus ou moins. Et non, j'avais pas de rapid ball, mais t'inquiète. Je crois en mon amitié. Il va bientôt me rejoindre. J'espère. Je le veux, ce gros cafard. Ah. Bon, tant qu'il a pas bélier, tout va bien. Je gère, t'inquiète, source Willy. Mais oui, est-ce que je vous ai déjà dit un jour, t'inquiète, et ça s'est mal passé? Oui. Mais cette fois-ci, ça va pas trop mal se passer. Oh mais il force là par contre. Oui, dans Pokémon Or. Je sais même plus pourquoi j'avais dit ça. Allez. C'est bon. On a un sauf qui. Les données de Sauve-qui-pou sont ajoutées au Pokédex. Sauve-qui-pou, le Pokémon. Pou. Pokémon cavaleur. Type insecte haut. Il ramasse tout ce qu'il trouve par terre, y compris les pièces. Cela lui vaut d'être pris pour cible par les cornèbres et les miaous. Pas de surnom, par contre je vais le mettre sur le layout. Donc, laissez-moi une seconde. Et voilà. Sauf qu'il peut rejoindre l'équipe. Qu'est-ce qu'il a comme attaque? Bon, je sais qu'il est un peu nul à chier au début. Oh! Une maxi pépite en plus, incroyable. Il a quoi comme attaque? Jet de sable sur insecte. C'est puant, mais bon. On l'aime quand même et il deviendra petit, sauf qu'il deviendra grand Samurai. Bref, on va retourner son Pokémon. Et après, on pourra se rendre. Alors, la jungle Cendrefeuille. Après des années, t'as enfin fini tous les anciens jeux Pokémon de la licence principale. Maintenant, tu pourras faire des nouveaux à leur sortie. C'est ça. J'ai fait quasiment tout. Donc là, bah, on va commencer à s'attaquer un peu à des fangames, à des. Peut-être des challenges, entre guillemets, genre des Nuzlocke, pourquoi pas.
genre un Pokémon Perle Nuzlocke, Noir Nuzlocke, tout comme ça. Ça pourrait arriver aussi à l'avenir, vu que j'ai fait tous les jeux maintenant, quasiment tous les jeux. Et je suis curieux parce qu'en vrai ça a changé un peu d'expérience et ça vous permettra de aussi de découvrir des jeux et de refaire des jeux bien sympathiques. Jungle sombre feuille, zone de l'épreuve du tour des îles. Je pourrais mettre mon sauve-qui-pou mais il va se faire laminer. Donc on le mettra que en cas de force majeure. Je vais mettre Brut à Libré, je pense. Parce que là, Rocabo et Voli vont pas être très utiles. Donc Brut à Libré, ça serait bon. Otarlette, ça peut faire le taf, mais c'est pas ouf. Sauve-qui-pou, il peut tenter, mais bon. Allez, c'est parti pour l'épreuve. Ah ouais, les Nuzlocke, on va bien rigoler. Ah bah ça, je pense que oui, parce que moi je suis un malchanceux. Hein. J'ai déjà parlé qu'une fois, au tout début de la chaîne, quand je faisais des let's play, j'avais tourné un Nuzlocke sur Pokémon Noir. Un Nuzlocke random, donc avec des Pokémon aléatoires et tout. C'était un bordel. Genre, j'ai sorti mon premier Pokémon, j'ai eu un Nidoran. Je suis tombé contre un Régigigas de Bianca. J'ai fait bon, ok, j'ai perdu le Nuzlocke. Et c'était très drôle à voir. Je crois que j'ai les 3 ou 4 premiers épisodes qui sont dans un disque dur quelque part. Parce que je les ai pas jamais sortis. Mais je me suis dit, ça va être drôle, donc je les garde. Et un jour, peut-être que je les sortirai par nostalgie pour le fun. Mais c'était assez what the fuck. Alors, Barbara. Hey, salut, la forme? Bienvenue dans la jungle sombrefeuille pour mon épreuve. Alors, tu es pris? Oui. Une chose saute aux yeux dès qu'on vous voit, tes Pokémon et toi, c'est que vous allez bien ensemble, comme un plat bien équilibré. Je comprends pourquoi tu as reçu une gemme lumière de la part de Tokoriko. Bon, sur ce, en avant pour l'épreuve de la jungle sombrefeuille. Qu'est-ce que je dois faire? Tu sens le souffle puissant de la jungle? Elle murmure à mon oreille. Elle me dit à quelle sauce tu vas être mangé. Aujourd'hui, tu vas goûter à ma spécialité, l'Ultra Barbaragoût. Tu l'avais pas vu venir, avoue. Eh ben, il va falloir que tu me dégotes 3 ingrédients. Une baie magot, du miel et une grosse racine. T'as tout noté? Eh ben, y a intérêt. Tiens, je te donne un sac pour faire ton marché. Et pour cette épreuve. Donc une baie magot, une grosse racine et je sais plus quoi. Je t'explique pas le bazar que ça ferait si tu mettais tout dans ton propre sac. Tu risquerais de gâcher mon plat. Bon bah c'est pas tout mais... Il va pas se faire tout seul cet ultra barbaragoût. Viens, je vais te montrer où chercher le premier ingrédient. L'épreuve la plus énervante et la plus dure. Je dois tabasser des petits florets, enfin pas des florets là, mais des Floramantis là. Tiens, les Mimantis ont eu peur. Ils ont peut-être senti ta force. Bon, tu devrais pouvoir trouver des Bémagos dans le coin. Mais attention, qui dit Bémago dit Mimantis, c'est leur plat préféré. C'est un risque de t'attaquer si tu leur voles leur casse-croûte. Reviens me voir quand tu auras trouvé l'ingrédient dont j'ai besoin. Ça pourrait être le moment d'entraîner mon sauve-qui-pou. À coup de survin sec, il peut faire des petits dégâts, non? Allez, on va tester. Hop là, petite Bémago. J'ai vu qu'il y avait un objet ici. On va le prendre. Petite super potion. Et là, une Bémago. Non. Bah tiens. C'est bon, t'as trouvé un bon ingrédient? Je te préviens, si jamais un Pokémon convoitait ce que tu as pris, il viendra se venger tôt ou tard. C'est bon. D'ailleurs, je sais pas si t'es au courant, mais maintenant les services en ligne des Nintendo 3DS, tout ça sont en service. Ouais, j'ai vu ça passer. Après, bon. Moi je joue plus trop ma 3DS, j'ai jamais joué en multi donc ça me dérange pas tant que je peux jouer encore à mes jeux solo.
Il y a une baie qui était pas celle qu'il faut prendre. Ah merde! T'es sûr? Tu trouveras du miel près des fleurs qui poussent dans la jungle. Mais attention, plus il y a de fleurs, plus les Pokémon sont attirés. Bah j'avais pris une baie Mago, non? Alors me dites pas que je me suis trompé, dès le début. Ah, je peux pas voir. Par contre, pourquoi il y a Kyavé? On dit que les fleurs attirent les Pokémon. Je te conseille d'éviter les coins trop fleuris. D'accord. Oui. Bah. C'est tout? Bah je comprends pas la difficulté du jeu. Bah c'est pas grave s'ils m'attaquent les Pokémon qui viennent, je les attends. On va se battre hein. On trouve souvent des grosses racines à la base des arbres qui ressemblent à des simul-arbres. Mais attention car parfois il s'agit bel et bien d'un vrai simul-arbre. Reviens me voir quand tu auras trouvé un bon ingrédient. Bah lui c'est un vrai simul-arbre. Mais je comprends pas la difficulté, c'est tout bête. Enfin, à part que les Pokémon vont me tomber dessus mais bon. Ça je pourrais le casser mais j'ai pas encore le Pokémon pour. Il faut que je prenne ça alors. Je suis totalement du père, je comprends rien, mais bon. Je crois que je suis en train de gagner. Non, je vais pas sortir. Pardon. Bah c'est bon, t'as trouvé le bon ingrédient. Je te préviens, si jamais un Pokémon convoitait ce que tu as pris, il viendra se venger. Bah qu'il vienne se venger, moi je les attends, hein, j'ai pas peur d'eux. Ah bah te revoilà. Voyons voir ce que tu m'as apporté. Commençons par la baie Mago. Ah, voilà, Mimantis veut me péter la gueule. Bah écoute, tu es petit et faible. Comme mon sauve-tipou. Sauf que mon sauve-tipou. Hein? Il attaque. Eh, c'est pas mal. Lui, il est nul. Vas-y, défonce-le, sauf qu'il pouf. T'es le plus fort. Ok. Allez, termine-le. Nickel. Mais je crois que t'as rien compris à l'épreuve. Oui. Je crois aussi. Ah bah tiens, ce Mimantis n'a pas apprécié que tu lui voles son repas. Bon, on met la baie dans la marmite et on ajoute l'eau fraîche que m'a apporté Nefi. Ensuite, il nous faut du miel. Maintenant, on mélange ce miel avec la masse os que m'a prêté Kyavé. Je mélange, et enfin, on ajoute la grosse racine.
Et pour finir, mon ingrédient secret, une pincée d'épices de ma composition. Et voilà, l'ultra barbare goût est prêt. Bon, il a une couleur bizarre, mais t'inquiète. Une odeur bien particulière commence à émaner du récipient. Au fin fond de la jungle, quelque chose approche. Oh mon dieu, un Floramantis! Ok, il est rapide. C'est pas grave. Allez, sur 20 sectes. Oh oh. Ah ouais, c'est chaud ça. Bon, tranquille. Je vais mettre Rivoli. Mais juste pour réanimer mon sauve-qui-pou. Allez, un petit rappel. Oh oh. Alors je vais mourir, donc autant attaquer un petit peu. Tiens. Bon, je peux me dire que ça va être un peu compliqué. Je vais tenter quelque chose avec Rocabo. C'est quoi ça? Ouais, c'est nul. Bombe roche. Ouais, je me dis bien. Bon, ça va être compliqué. Mais on va essayer. Allez, aéropiqué sur Floramantis. Je tank. J'attaque. Je fais plutôt mal. Lui me saoule un peu, mais c'est pas grave. Allez, je peux le faire. Il casse les couilles. Évidemment, il va monter confus. Allez, hyper potion sur bout à librer. En espérant ne pas être trop confus. Mais lui, il casse un peu les noisettes. Hein. Allez, je le tank. Allez, frappe, 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 frappe. Merci.
Est-ce que je devrais pas tenter ça? Allez, on tente le coup. Je sais que ça va pas être super efficace, mais bon. C'est pas oufissime, mais bon. Contre Kecleon me saoule, hein. Je vais lui mettre une patate dès que possible. Au prochain tour, je mets un gros casse-brique dans la tronche de Kecleon. Tu pas Kecleon? Si. Enfin, je vais essayer parce que. En vrai, avec son uppercut et son zénith, il me saoule. Donc je vais le dégager très vite. De toute façon, lui, il fait une synthèse. Donc là, je le bouge. Voilà, il dégage. Et puis ça fait un peu level up. Atterrissage. Nickel. Et là, je peux attaquer. Atterrissage. Je le gère. Je lis dans ses pensées. Maintenant, aéropiqué, pleine puissance. Voilà. Appelle du renfort si tu veux. Et là, c'est terminé. Ah ouais, c'est mort. Et non, ce n'est pas mort, le pro. Mais j'avoue qu'il est cancer quand même. Oh, il a une bonne défense lui. Trop de chance, dommage. Ah bah non, c'est pas dommage si j'ai de la chance. Otaret passe niveau 26. Et sauf Kipou niveau 19. C'est bien, il rattrape un petit peu son petit manque de niveau. Et j'ai battu le Floramantis dominant. Eh ben ça alors Willy, quel talent! Tu t'es battu comme un chef! Le Floramantis dominant te mange dans la main maintenant. Vaincre des Pokémon pour leur arracher les ingrédients, c'est pas de la tarte. Mais ton équipe et toi, vous y êtes arrivés sans aucun problème. Vous m'avez bluffé. Ça ne m'étonne pas. Il a terrassé Ossature au parc volcanique. Et il n'a fait qu'une bouchée de tarambule. En clair,
Tu as terminé toutes les épreuves d'Akala en deux coups de cuillère à peau. Y compris la mienne, qui est pourtant la plus relevée des trois. Un dresseur 5 étoiles comme toi mérite bien une récompense. Allez, on a réussi l'épreuve. On a un cristal Z type plante, qui va pas me servir à grand chose dans l'immédiat. Pour utiliser la force Z de type plante, imagine une fleur qui éclot. Regarde-moi faire. Maintenant que tu as bouclé l'épreuve, tu peux attraper tous les Pokémon du coin si ça te chante. Je serais même contente que tu le fasses. Tiens, des faibles balls pour te motiver. Tiens, Fleur Mantine n'a pas tout mangé. Qui avait une fille, vous pouvez vous servir. J'ai mangé des baies et puis j'ai pas ultra faim quoi. Fleur Mantine a eu l'air de beaucoup aimer, certes. Mais je suis pas sûr que la nourriture des Pokémon soit bonne pour les humains. Bon, mais Alexia dit toujours qu'elle trouve ça délicieux pourtant. Bon. Je vais lui apporter des restes alors. Sur ce, à la prochaine, Willy. Eh, hey, mais dis-moi, je veux un truc qui sent drôlement bon. Ça serait pas l'odeur du Barbara goût? T'as remporté l'épreuve de Barbara et dos dans le nez, je parie. Ça m'est un petit cadeau. Et hop, là, c'était Estocorn. Avec ça, t'es sûr de toucher ton adversaire. Ah, pour sauf qui vous, peut-être. Toutes ces découvertes, ça donne la couleur à ton aventure. Mais faut pas s'arrêter là. Il y a un truc qu'il faut absolument pas rater lors du tour des îles, c'est le CRI, le centre de recherche interdimensionnel. Allez, en route, mauvaise troupe. Voulez-vous laisser là? Bon, Willy, je t'ai pas encore félicité pour avoir terminé haut la main toutes les épreuves d'Akala, mais bravo, man. Il y a plus qu'à passer la grande épreuve de la frangine, enfin, je veux dire, de la doyenne Adixia. Pour info, c'est la spécialiste des Pokémon type roche. Tu ferais peut-être bien attraper quelques Pokémon type plante. Non, non, t'inquiète, j'ai Brutalibré et Otarlet, et puis Osley et Rockaboo peuvent un petit peu faire le taf aussi. Bon, dans tous les cas, tu me retrouves au CRI quand tu auras fini pour te préparer pour la grande épreuve. C'est juste après la routis. Si tu es perdu, demande à Montisman, il est là pour ça. Allez, à toutes. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là pour cet épisode. Je vous dis donc, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans le prochain épisode, on va essayer de défier Alexia. Ça devrait aller, je pense, hein, très compliqué. J'ai des Pokémon assez forts. Juste, ben, faudrait que j'entraîne encore un petit peu plus mon Rockaboo et mon Osley et mon Sauf-Kipou. Mais bon, ça va se faire au fur et à mesure. Je m'inquiète pas pour ça. Sur ce, je vous laisse là. À très bientôt.